Monsieur le recteur de l'Université Ahmadiyya de Dakar, Monsieur le président du comité des 100 ans de l'arrondissement Tango, Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le directeur de l'IFAN, le professeur Abdelhamid Ndiaye, Mesdames et Messieurs en bonne et qualité, et Madame la présidente, l'administratrice de la Fondation Sokosim, chers amis, chers collègues, je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui au musée de l'Hormono vers africain de l'IFAN Gérantudio. Cette exposition s'inscrit bien évidemment dans les 100 ans du parrain, Amadou Matarumbou, et est ancrée profondément dans la journée internationale des musées, célébrée aujourd'hui le 18 mai, et organisée par l'ICOM, le Conseil international des musées, depuis 1977. L'exposition Cécile Natal Ngir Amadou Matarumbou, qui nous vaut d'être réunis ici aujourd'hui, est l'aboutissement d'une collaboration fertile, celle entre le musée d'art africain et le comité de célébration des 100 ans de Amadou Matarumbou. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'adresser mes plus vifs remerciements au conservateur du musée, le docteur Elaz Malick Ndiaye, et à l'ensemble des membres du comité pour nous permettre et aussi permettre aux nombreux visiteurs qui ne manqueront pas de faire le déplacement au musée d'admirer ces belles œuvres de l'esprit, œuvres qui nous étaient inaccessibles il y a seulement moins de 10 ans. Mesdames, Messieurs, l'IFAN célèbre aujourd'hui un digne fils de l'Afrique. L'IFAN, dans une nouvelle dynamique, partagée et en cohérence avec les aspirations du Sénégal et de l'Afrique, poursuivra sa mission de production et de valorisation de savoir se rapportant à l'Afrique et continuera de célébrer le continent. Aujourd'hui, c'est une journée dédiée au musée. Le doyen Amadou Matarumbou a dit en 2007, c'était, monsieur le recteur va être très content, c'était à propos de la célébration de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur adoptée en 1997 par la 29e session de la conférence générale qui est venue, dit le doyen Amadou Matarumbou, heureusement compléter la recommandation de 1966 en insistant sur les missions particulières de l'enseignement supérieur où notamment formation et recherche sont intimement liées et où les franchises universitaires, monsieur le recteur, doivent garantir un climat de liberté, de sérénité qui sont indispensables à tout épanouissement intellectuel et à toute créativité. Je termine le doyen Amadou Matarumbou en disant ceci. Aussi voudrais-je, au moment où commence la célébration de cette journée mondiale des enseignants, former le vœu que celle-ci contribue à mieux connaître le rôle de l'éducation et des éducateurs, en particulier des enseignants, dans l'émergence d'une nouvelle conscience civique et dans les changements fondamentaux qu'appellent nos sociétés. Et j'espère que ce qu'on va voir tout à l'heure va nous édifier sur l'importance non seulement de la recherche, de la créativité, mais l'importance de l'art dans l'éducation. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le directeur de l'IFAN, Cheikh Anta Diop, Monsieur le conservateur du musée Théodore Monod d'art africain, Ivan Cheikh Anta Diop, commissaire de l'exposition, Mesdames et Messieurs, chers collègues du personnel enseignant et de recherche, Mesdames et Messieurs, membres du personnel administratif, technique et de service, Mesdames et Messieurs, parents proches et amis du professeur Amadou Matarumbou, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités. À l'entame de mon propos, je voudrais partager avec vous la joie qui m'habite en venant présider cette cérémonie d'ouverture de l'exposition qui célèbre les 100 ans du professeur Amadou Matarumbou. Mesdames et Messieurs, une exposition est toujours intéressante et utile. Elle appelle l'attention de toutes et de tous. Elle éveille et satisfait la curiosité louable des visiteurs invités à admirer
les magnifiques collections qui y sont exhibées. Plus de 9000 objets de notre musée, le musée Théodore Monod de l'UQAD, vont certainement vous impressionner par leur nouvelle disposition. Il s'agit d'une collection historique et salutaire qui force notre admiration et qui en outre informe des progrès accomplis par l'Université Charles de Dakar sur les plans scientifiques et culturels. La présente exposition est un triomphe pour l'orgueil patriotique de notre pays, de notre chère université, car elle répond à l'appel historique de l'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Martambo, qui a toujours promis, je cite, le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable. Fin de citation. Je félicite très sincèrement Monsieur le directeur de l'IFAM, le conservateur du musée de Théodore Monod, les organisateurs pour la belle initiative de célébrer le centenaire d'un homme multidimensionnel, pour qui il me plaît de rendre un juste hommage aux rares mérites avec lesquels il s'est acquitté de ses délicates missions. Serviteur dévoué de la patrie, professeur Amadou Martambo a su remplir ses hautes fonctions en s'efforçant de répandre l'instruction, le savoir-être et le savoir-faire sur des générations. Des générations qui sont devenues aujourd'hui des citoyens éclairés, conscients de leurs devoirs et de leurs droits. Professeur Mbao a donné sans conteste des gages de son engagement pour son pays, le Sénégal, un pays auquel il reste profondément et sincèrement attaché. J'adresse mes plus chaleureux remerciements à toute l'administration de l'IFAM, à ses enseignants et ses chercheurs, à ses techniciens, aux conservateurs du musée Théodore Monod et à son équipe. Chers invités, j'espère que vous sortirez de cette visite impressionnés par la richesse de cette collection et que vous garderez des souvenirs agréables de votre passage à ce prestigieux musée de l'Université Cheikh Diop de Dakar. Je déclare ouverte l'exposition tout en remerciant de votre attention. Thank you.